Hello, hello tout le monde, comment ça va? Alors, ça y est, on est prêt pour une séance cardio. J'espère que vous êtes au taquet et que vous êtes en forme, que vous avez bien mangé, que vous avez bien dormi et que vous allez tout donner aujourd'hui. Alors, le petit échauffement, on va en faire un quand même, un minimum pour le cardio, d'accord? On va partir, en fait, ça va faire partie de la séance cardio, d'accord? Salut Sabine! Donc voilà, donc on part sur un petit échauffement tranquillou pour l'instant, les articulations, d'accord, les poignets, rapidement, hop, super, les épaules, on fait vraiment quelque chose de rapide pour les articulations, ok. Un peu. Super. Ok, le bassin. Parfait. Genou. Super, dans l'autre sens. Allez, les chevilles, gainez-vous bien pour ne pas tomber. L'autre. Super. Allez, on part en step-tap. Tout doucement. Bon, j'espère que vous êtes en forme. Vous avez le sourire. Ok, on va rajouter les talons-fesses. Super. On rajoute les bras. Encore. Ok, step tap normal. Allez, on rajoute les genoux. Super. Allez, encore. Ok, on va rajouter les bras bien comme il faut. Celui-là, vous connaissez, hein. Allez, encore. On va partir sur une petite course sur place. Allez. On poursuit l'échauffement. Tranquille. Pensez à bien respirer. Allez, encore. Ok, pli. Encore. À vous. Allez, encore. Super. Nickel. Alors, le sourire, on ne va pas trop en faire non plus. Non, mais dis donc. Bien sûr que si. Allez. Alors là, on a fait vraiment un échauffement relativement rapide, d'accord? Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait en amont. Mais pour le cardio, je préférais quand même qu'on fasse un truc ensemble. Ok, donc là, tranquille. On va partir sur des jumping jacks. Ok, tranquillou? Allez. Pensez à bien respirer, hein. Respirez bien à fond.
Encore, encore. Allez, continuez. On va repartir sur les têtes, genoux. Et fente touche au sol. Allez. Allez, encore. Allez, ne lâchez pas. Encore. Ok, vous allez voir l'exercice suivant. Vous le connaissez. Droite, gauche. Allez. Comme si vous cherchiez quelqu'un derrière un arbre. Allez, encore. Celui-là, on va l'alterner avec le squat dynamique, ouvert en sumo, d'accord? Allez, encore. Ok, vous êtes prêts? Allez. Allez, encore. En ouverture, les genoux qui regardent les orteils. Allez, encore. Allez, on lâche pas. Salut Thierry. Encore. On va reprendre les steps tap en rebond. Vous êtes prêts? Ok, on y va. Allez. Encore. Pensez à bien respirer. Allez, plus grand. Petit rebond. On va enchaîner avec les squats dynamiques comme on vient de faire. Allez. Prêt? Allez. Encore. Allez, courage. Continuez. Allez, marche. On va partir sur le ski de fond. Vous êtes prêts? Allez. Encore. Allez, allez. Respirez bien. Regardez l'exercice suivant. Allez, à vous. Alignez bien vos segments. Buste bien droit. Encore. Pensez à bien respirer. Ne lâchez pas. J'espère que vous avez bien ouvert vos fenêtres. Ok, on est reparti. Ne cambrez pas. Gainez-vous bien. Ok, marche active. Allez, reprenez votre souffle tout doucement. Je regarde les messages. Allez, allez. Encore, encore. On marche.
récupère tout doucement. Allez, encore. Est-ce que ça va toujours? Allez, vous avez encore un petit peu de temps. Et on va repartir sur la prochaine série. Allez, c'est intense, mais on y croit. Ok? Allez. Allez, on y va. Respirez bien à fond. Allez, encore. Là aussi, ne gainez pas. Hein. Rentrez bien le nombril, engagez vos abdos. Ok. Allez, on y va. Pensez là à récupérer tranquillement. Allez, encore. Profitez de ce moment. Même si ça fait partie du cardio, c'est un petit peu plus tranquille. Allez, encore. Allez, on continue. On se bat, on y croit. Respirez bien. Ok, on est parti. Allez. Respirez bien tranquillement. Allez, encore. Super, allez. On y va. Allez. Allez, je crois en vous. Vous savez que quand c'est du cardio, il n'y a pas 5 séries, hein, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on y va. Encore, encore. Ne lâchez pas, il y en a qui se connectent. Bonjour à ceux qui se connectent à l'instant. On a déjà bien commencé la séance. Mais c'est pas grave, bonjour à tous. Ok, squat dynamique. Allez. Encore. Super. Allez. Ne lâchez pas. Allez, encore. Vous y êtes encore. Allez, allez. Des messages en même temps. Ok. Allez. Je sais, on en est à la deuxième série, donc ça commence à être dur. Mais on y croit. Il est chaud, hein? Allez. Encore un peu, on repart sur les squats dynamiques. En ouverture. Allez. Allez, respirez bien. Encore. Allez, allez. On va partir sur le ski de fond. Allez, marche. Il fait chaud, hein? Allez. Ski de fond. Encore, encore. Sur les burpees simplifiés. Allez.
Allez, on y va. Muscle cardiaque. Ok? Bien. J'espère que ça va. Allez. On y va. C'est bon. Ça essouffle, hein? Ça essouffle, mais il fait chaud. Est-ce que tout le monde a réussi à aller jusqu'au bout? C'était une séance intense, hein, au niveau du cardio. C'est vrai que j'augmente un peu plus à chaque fois. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. N'hésitez pas à arrêter en fait chaque exercice, un peu avant de passer à celui d'après, hein, si vous voyez que c'est trop dur ou autre. Alors, au niveau des genoux, Thierry, les sauts, ah oui d'accord, donc tout ce qui est rebond, footing, etc. Eh ben, il n'y a pas de souci. Écoute Thierry, je vais essayer de trouver une... Enfin, je vais essayer de trouver. Je vais, la prochaine fois pour la séance cardio... Je vais faire une séance cardio où il y aura sûrement moins de rebonds ou d'appui en fait intense au sol pour les genoux. Il n'y a pas de souci. Je vais m'adapter et puis comme ça, tu pourras faire la prochaine séance cardio. Et entre-temps, bah, tu pourras faire la séance abdos, fessiers, cuisses, bras, etc. Ok. Bon, de toute façon, il faut y aller tranquille. Hein. Dans ces cas-là, tu sais, par exemple, quand il y a les rebonds, tu fais une marche normale. Ou des step-taps, histoire de... J'explique un peu, hein, pour ceux qui peuvent pas, par exemple, qui ont mal aux genoux, qui peuvent pas faire les rebonds comme le ski de fond, par exemple, comme celui-là, ou celui-là, d'accord? Dans ces cas-là, vous pouvez faire une marche un petit peu plus active, d'accord? Ça, tu peux, Thierry, ou même les autres. Ou alors, faire le step-tap comme ça, un peu en squat, vous voyez? Fléchissez entre, d'accord? Et ça remplace un peu ces exercices-là. Voilà. Donc, après, si pour le reste, il n'y a pas de souci, bah, tant mieux. Mais ces exercices-là, vous pouvez les changer avec ceux que, bah, que je viens de vous montrer pour éviter d'avoir des douleurs aux genoux ou si vous avez eu des problèmes un peu avant au niveau des genoux. Il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, je pourrais voir pour faire une séance cardio sans rebond, par exemple. Ou voilà, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et comme ça, tout le monde pourra le faire, y compris toi. Mais en attendant, voilà, les exercices, si tu veux les faire en replay... mais que tu veux remplacer ces éléments-là, bah, je t'ai donné les billes pour pouvoir le faire. Donc, j'espère que cette séance vous a quand même plu, que vous êtes bien en sueur comme moi, là, que vous avez bien travaillé votre muscle cardiaque qui est très important. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est vraiment un muscle hyper, hyper, hyper important qu'il faut renforcer pour plein de choses. Donc, pour plein de raisons. Voilà.
En attendant, je vous dis donc à jeudi. Reposez-vous bien demain. Et puis, si vous avez, comme d'habitude, des questions ou autres, n'hésitez pas. Hein, je suis toujours dispo. Voilà, au top, moumoute. Merci, Sabine. Je vous fais des gros bisous, en tout cas, ceux qui étaient... Dommage pour ceux qui viennent de se connecter. Si vous voulez revoir la séance en replay, allez sur ma chaîne YouTube, Pasenko by Alexia. Et vous aurez toutes les séances en replay sans problème. Vous pourrez les faire à votre rythme. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à jeudi. Bisous, bisous. Bye, bye. Ciao, ciao.